l'extraterritorialité du droit américain. Il faut quand même sans cesse revenir sur la condamnation de la banque BNP Paribas à près de 9 milliards de dollars d'amende. Et là, il faut être précis, désolé, en vertu d'un embargo américain qui, à l'époque où les faits ont été commis, ne s'appliquait pas en France ou en Europe. Le motif de la sanction infligée à BNP Paribas, ça n'est pas d'avoir enfreint un embargo américain. Il ne s'appliquait pas pour un établissement français. C'est d'avoir traité en dollars. Et c'est le principe appliqué maintenant avec agressivité partout dans le monde, selon lequel toute transaction en dollars expose ses parties prenantes au respect de la loi américaine ou en sanctions prévues en cas d'infraction à la loi américaine. La sanction infligée à BNP Paribas est un cas flagrant d'application rigoureuse de l'extraterritorialité d'un droit américain qui ne reconnaît plus aucune frontière.